Bon, les amis, je suis sur le gros chantier et je suis tout seul. Écoute. Je suis tout seul. Le frérot prend sa voiture, on prend chacun nos véhicules pour respecter les distances pour le confinement. Mais vraiment tout seul, bien, j'ai même Wilson qui est avec moi. On fait qu'un. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, je vais poncer ça. Donc, comme je te dis, c'est bien fait la diagonale. Et je vais essayer de faire ça et rattraper l'autre chape là-bas. Et je vais te filmer tout ça en mode accéléré. J'espère que je vais y arriver. Ce serait bien. Donc voilà. C'est ce que tu vas voir dans ce court-métrage. Ponçage de chape. Bon, je viens de faire un test. Et j'ai fait une saignée sur la diagonale. Apparemment, je vais certainement pouvoir y arriver en ponçant. Ce qu'il faudra peut-être que je fasse, c'est remonter légèrement le caniveau, parce qu'il l'a mis un peu trop bas. Donc voilà, je vais te montrer ça. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Le but, ça va être de garder donc le niveau sur le périmètre, garder ce niveau-là. Ici, le descendre, il n'y a pas de souci. Donc quand je disais le périmètre, non, je te dis des conneries. Là, ce mur-là, c'est le point haut. Ce mur-là, ça doit être le point haut. Ce mur-là, ça doit être le point haut aussi. Logique, parce qu'il faut que ça avance comme ça. Là, on va redescendre. Et celui-là, on va redescendre aussi. Donc on aura point haut là, point haut là-bas. Là, on va redescendre légèrement, là aussi, et aller rechercher alors ce caniveau. Ok, ça va être du sport. Bon, je vais te mettre tout ça en mode accéléré, parce que ça fait beaucoup de malade. Ouais, n'oublie pas, en fait, si tu dois faire ça un jour, va louer une ponceuse à béton. Tu adaptes un aspirateur, si tu n'en as pas, tu prends aussi, parce qu'il vaut mieux un aspirateur de chantier, tu prends ou tu en loues aussi. Donc voilà, parce que c'est quand même pas. C'est pas tous les jours que tu vas faire ce truc-là. Donc voilà, les amis, je vais essayer de te placer convenablement. Fais un petit peu son peut-être pour toi. Je vais essayer de te placer pour te mettre ça en mode accéléré. Bon, les gars, ça c'est pas trop mal. Hein. En fait, je découvre en même temps que toi, parce que poncer, c'est jamais moi qui le fais. Donc, tu vois, avec la truc, avec la première saignée que. Attends, parce que je trinque-balle le pied, je cogne partout. Avec la première saignée qu'on avait fait, on s'est donné la pente pour pouvoir avoir assez et aller pour aucun niveau. Après, on a gardé ici, on a gardé deux niveaux. Là, on est descendu aussi. Donc on a de la pente, ici on a de la pente, et puis après j'ai été rechercher les deux en essayant de rester le plus plat possible. Comme ça, j'aurai déjà cette partie-là, elle sera déjà faite. Alors, au fait, quand tu
Pour descendre assez rapidement, ben, tu passes, au fait, tu vas lentement. Et plus tu veux prendre un minimum, plus tu accélères ton mouvement. Et pour après, pour essayer d'avoir quelque chose de plat, et ben, tu accélères ton mouvement, tu passes. Et pour après, tu passes un petit coup dans l'autre sens. Et apparemment, ben, t'es pas trop mauvais, quoi. Donc voilà, donc après, ben, j'ai plus que cette petite partie-là à faire. Puis regarder pour le caniveau et on va voir ce que ça raconte. Ouais. Faut que je regarde aussi l'état du sac parce que il en inspire, le petit. Bon, les pentes, ça va. Je vais casser le bord avec la bochinette. Je vais casser le bord parce que bah, quand tu ponces, tu n'y arrives pas. Et puis après, je repasserai un coup avec le fer à disque alors. Puis je regarderai pour remonter le caniveau. C'est parti. Ben voilà les amis, j'ai réussi. Donc la porte est bonne. Après j'ai repris, là, tu vois, j'ai repris avec le petit disque, celui-là. J'ai fait à la main, j'ai pas mis sur une disqueuse. Sorry. C'était plus facile. Désolé, je traîne pas le grand pied. Bon, maintenant on va faire ici. Alors là, j'ai fait un trait parallèle à ce mur-là. Je vais donner un coup de disqueuse. Puis maintenant je vais décaper cette partie-ci. Je vais essayer d'aller rechercher ce niveau-ci. Et je vais faire tout ça au burin. Et puis après, je regarderai mettre une couche d'égaline. Tu vois là. Bon les amis, donc on a fini de casser, j'ai fait les galines, ça c'est fait, l'autre côté ça a été poncé, on a fait les pentes, aujourd'hui le frérot il va finir ici, le petit morceau de hall, il a déjà fait toutes ses coupes à l'avance, il va finir aussi cette chope-ci, il a fini toutes ses coupes. Il va faire le sol ici aussi. Il a tout tracé. Donc t'imagines, on nous fait mettre du 90-90. Le calepinage, au fait, ce qu'on devait faire, c'était pas bon. Parce qu'on arrivait avec une languette. Donc on a changé l'axe, au fait, on l'a mis dans l'autre sens. Et au fait, avec des 90-90, tu te retrouves avec rien du tout. Comment dire? C'est ça les gros chantiers. Après, tu t'adaptes. Et encore aussi le sol pardon, de cette douche-ci qu'il va faire. Pas de cette salle de bain là. Par contre, ouais,
Ce carrelage-là, je sais pas, attends, ce qu'on va bien voir. Non, tu vois rien. Il est rugueux. Il a des dérapage, tu veux. Et une vraie merde à couper. Ouais, je l'ai vu hier quand il faisait ses coups. Il jurait, le pauvre. Non, une vraie merde à couper. C'est du carrelage brésilien. Alors, comme quoi, bah, ils devraient s'arrêter juste à leur carnaval, quoi. C'était pas bien, et c'est pas la machine ou quoi ou comme, parce que il n'en a pas raté qu'une. Il se coupe vraiment mal. Voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? On va faire la pause des 15-15. Rien, j'ai déjà fait un petit module là pour regarder ce que ça donne. T'es bien? C'est rétro, c'est ce qu'on aime bien en ce moment, on va dire. Enfin, moi, apparemment, enfin voilà. Donc là, des casquettes, vous faites, si tu veux pas, parce que tu risques de partir en sucette. Donc déjà, tu te mets une ficelle, tu fais même pas cordex, comme ça, t'es tranquille. Tu fais alors vraiment à l'ancienne, tu fais avec ta ficelle et tu vas la mettre à chaque fois. Comme ça, ben, tu essayes de garder à bon alignement, parce qu'avec plus le format il est petit, plus tu risques de partir en couille. Oui, j'ai mis l'accent en plus. Non, mais plus c'est petit, plus tu as tendance un peu à partir et tout ça. Enfin, si tu utilises peut-être des croisillons, oui. Mais ici, il te faut vraiment des tout petits croisillons parce que il faut pas avoir des joies trop gros là-dedans. Sinon, ça coupe vraiment trop le dessin. C'est pas beau. Donc voilà, moi je vais te mettre là dans le coin. Tu vas être puni, désolé. Je vais te mettre là dans le coin avec le trépied et on va se mettre ça en mode accéléré. Si je vois des conneries de difficulté, je te le dirai quoi. Je t'expliquerai ça. Normalement, on a rien de chinois parce que avec le module, donc je suis entier sur le côté, je démarre entier ici, entier là. On aura juste peut-être une petite coupe là au tuyau, on aura une découpe là-bas et on va mourir là. Donc là, il y a de toute manière, il y a encore tous des meubles et tout ça. Là, il y aura le dessous de l'escalier, donc. Il y a vraiment, vraiment rien de chinois. Donc voilà. Bon, on va faire ça ensemble.